amis lutins, comment allez-vous en ce dimanche 15 août où nous célébrons la déesse en nous et bien sûr la déesse au-dessus de nous. Je suis Fabienne Gracia, je suis heureuse de vous accueillir dans les chroniques de l'âme enchantée au bord de la Sioule, dans les gorges de la Sioule même, carrément, où je fais un pique-nique avec une amie fée qui se repose, qui fait la sieste, et nous passons un super moment. Donc les gorges de la Sioule, pour vous préciser, c'est dans l'Allier. Et voilà, nous nous retrouvons pour ce tirage, cette guidance de la semaine du 16 août, avec beaucoup, beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc il y en a 8, et puis cette formule magique que j'ai concocté en préalable, en lien avec la guidance bien sûr, et que je vous transmets très à l'issue de la guidance. Donc la première carte. Voilà la première carte, la potion acidulée qui nous parle de notre système circulatoire que nous avons à bichonner en cette période de chaleur d'été. En s'offrant des plantes qui permettent au circulatoire d'être plus fluide et au réseau veineux aussi plus solide. Bien sûr, cette potion acidulée, vous le savez peut-être déjà, elle nous parle de la joie de vivre en berne. Est-ce que ça vous étonne? Eh bien, moi, pas trop. Parce que bien sûr, toutes les conversations en ce moment tournent autour de cette carte qui nous le rappelle, les ombres cachées. Voilà, toute cette partie lourde que nous sommes obligés de vivre, de subir et de faire avec. Et bien sûr, ça impacte notre chakra sacré de la famille des couleurs. Les plaisirs orangés sont impactés, ça c'est clair. Et on nous dit quand même de nous rapprocher, hein, vraiment de s'honorer dans ce chakra sacré, surtout en ce jour de 15 août, de vraiment honorer ce chakra qui est primordial, qui est le lieu de la créativité dans tous ses sens en fait, hein, dans toutes ses étymologies, pour se connecter à soi-même et à ce qui nous fait plaisir. Alors, il faut jongler avec tout ce qui se passe en ce moment pour ça. Et on nous dit d'ouvrir les mains pour recevoir. Malgré tout, hein, on continue à garder les mains, on ne serre pas les poings, on essaye de maintenir ses mains ouvertes pour recevoir ce que l'univers a prévu pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous et ce que notre âme doit avoir à vivre. Derrière ces quatre cartes, elles ont sauté les quatre autres en paquet avec la rayonnance solaire. Donc, on reste bien connecté à sa solarité, surtout en ce mois d'août, hein, où on est dans le lion et dans l'énergie du lion, donc du soleil. Donc, restons vraiment très connectés à ce qui nous fait vibrer et surtout à notre pouvoir, à notre puissance. La neutralité fait partie aussi de ce qu'on a à maintenir, hein, de prendre du recul, garder de la distance, prendre de la hauteur par rapport à la situation de ce fameux tour de passe-passe qu'on essaye de nous faire jouer, enfin qu'on veut nous jouer et que bien sûr nous sommes nombreux à ne pas vouloir, à ne pas accepter. Et bien sûr, en résistant, on va retrouver de l'ouverture, on va rester ouvert et on va pouvoir rester dans une certaine liberté. Et bien sûr, on n'oublie pas de rester ancré en nous le serine, le chakra racine avec le socle rouge de la famille des couleurs également. Donc trois cartes de la famille des couleurs, d'accord? Les trois qui se suivent à la queue leu leu si on regarde bien. Hein. Le socle rouge, c'est le premier, c'est le chakra racine. Le second, c'est le sacré. Ouh, j'essaye d'attraper la carte qui est partie là-bas. Le chakra sacré et la troisième, le plexus solaire. Ils sont à la queue leu leu. Donc ce sont nos chakras, entre guillemets, inférieurs. Vraiment à bien bichonner, hein. À bien bichonner, on s'ancre. Ça fait des semaines qu'on nous le dit, mais vraiment, on,
on ne l'oublie pas. C'est ce qui nous permet de rester solide, relié à nous-mêmes, à notre centre, et donc de faire face à tout ce qui nous traverse. Me revoilà, il est temps de vous révéler la formule magique pour cette semaine du 16 août, à répéter 3 fois à voix haute, je vous le rappelle, et autant de fois que vous le désirez dans la journée tout au long de la semaine. Alors, cette formule magique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est magnifique, moi je la trouve magnifique. Bon, elle a été pas super simple à mettre en place, mais à deux faits, on y est arrivé. Donc, je vous laisse prendre votre crayon, votre carnet magique, et je vous la révèle. Par le pouvoir de ma présence, je suis. J'honore mon féminin sacré uni à mon masculin sacré afin de retrouver la joie de vivre, d'être dans l'alignement et la neutralité et de rester libre. C'est beau ça! Voilà, si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de la noter, ben je vous invite à réécouter la vidéo. Moi, j'ai passé une semaine chez des amis, dans la famille, chez les amis, dans 4 foyers différents, 4 dodos différents où j'ai été super bien accueillie, avec des personnes que j'aime et c'était juste génial. Et je rentre très bientôt chez moi dans le sud. Et bien sûr, je remercie toutes ces fées, tous ces lutins. Je vous remercie de m'écouter, vous qui êtes derrière l'écran. En vous remerciant par avance de partager cette vidéo, de la liker s'il vous plaît, de faire des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. We'll be right back.